Ok. C'est retour en arrière, très bien. Ah! Je voudrais d'abord récupérer le coffre avant de faire le combat. On va aller récupérer l'objet. J'ai activé celui-là ou pas? Ah, on peut le déplacer. Tu peux prendre le cristal exact, ouais. On peut le déplacer. Par contre, j'ai pas vu d'emplacement. Peut-être plus loin. Bon, on verra après. Bon, allez, on fait le combat. Ah non, ça va. C'est tranquille. Voilà. Crois que tu l'as eu. Sans deck. J'étais comment? Convenable. Je crois qu'il va faire... Oh, il faut faire tout le tour en fait pour aller le placer. Faut faire... Ouais, par là. D'accord, ok. Parti. Il manque toujours un glyphe là. Une rune à casser. En bas. Là aussi, il y a sûrement un combat à faire. Ah non, on l'a déjà fait, le feu est allumé. On a déjà fait ça. Continue comme ça. Voilà. C'est pour ça que je la change pas cette attaque. Elle est trop bien. Trop utile.
Ah. Quoi ça? Oh, trésor, yes. Oh, il y a une goutte à récupérer. Ah, oh, putain, il y a plein de trucs encore à faire. C'était là l'île de lumière. Il a une bonne barre de vie maintenant. Attends, Je sais pas si on a fini ici. Je pense pas. Il a défoncé le pigeon, la mouette. Il a tiré sur la mouette. Ah, c'est quoi ces connards? Pauvre, elle s'est pris une boule de feu. J'ai vu, il y a un autre cristal. Ah bah voilà, bah c'est là. Alors... Ah. Invoque un écureuil spectral, Ratatoskre, qui déterre un élément consommable. Il peut déterrer jusqu'à 3 objets. 4. Ça peut avoir une certaine utilité en combat. Ouais. Il était où le cristal? C'est là. Genre des soins. Mais bon. Maintenant, non, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile vraiment pour nous. Plus, ça a l'air d'être des petits cristaux de vie, donc c'est vraiment peu, quoi. Je préfère encore les chiens. Ça fait quoi? Ah,
Ah, voilà. D'accord. Il fallait activer tous les cristaux, je crois. Je pense. Allez, c'est parti. Oh la vache, j'avais pas vu. J'ai cru qu'il était seul, je me suis dit bon, il est seul, c'est peut-être, c'est bizarre, mais il est niveau 8. Mais en fait non, il y en avait deux autres qui sont apparus. Et je crois que c'est un mec de glace, je peux pas lui faire de dégâts avec la hache. Ok, le problème, il y a ça aussi. D'accord. Tiens bon. Le problème, c'est que c'est petit. Ah, j'ai peut-être perdu ma rage. Merde, quel con. Non, ça va. Ok, on va refaire le coup de la rage et tout ça. Putain, je suis bloqué. Oh la vache, oh la vache. Ok. Faut qu'ils viennent et je leur fais la rune. Il est cool le gosse. Y a de la vie quelque part. Alors, faut que je réfléchisse à une stratégie. C'est vrai que ça marche pas, ça. On a des chiens disponibles et on n'a pas grand-chose.
Je sais même pas si... Non, ça avait pas fait des dégâts en fait. On va attendre la rage, je préfère. On va attendre la rage. Parce que j'ai pas confiance. Je crois que s'il me touche, il me tue là. D'accord. Ah, fini. Par où t'es passé, toi? Descend. Voilà. Quel esprit tiendra parole est stupide, mon garçon. Mais un autre combat sur lui. J'aimerais pas pouvoir revoir Mère. Non, il y avait une autre brèche. Mais c'était un objet direct. Atreus, tu dois l'accepter. Je sais, mais j'aimerais la revoir. Une dernière fois. Pourquoi le crois-tu? Tu ne sais ni qui il est, ni ce qu'il était. Tout ceci est sinistre. Il veut revoir quelqu'un qu'il aimait. Je comprends ce qu'il ressent. Je trouve pas ça sinistre du tout. L'espoir obscurcit ton jugement, Atreus. T'es triste. Atreus. Oui, père. Une autre carte. Super. L'historien, je voulais apporter ma contribution à la collection de reliques de Fafnir. Ah, c'est sûrement à l'entrée. On a trouvé la rivière là où, enfin, qui mène la rivière Fafnir ou la rivière, je sais pas, la grotte Fafnir. Mais on n'y est pas allé. On l'a pas suivi. Oula, t'es un peu proche toi, non? Bon, mon gros, désolé, mais j'ai besoin de tes ressources. Les eaux de Gulvig. Que voudrais-tu lui dire? À Gulvig? À ta mère. Qu'as-tu encore à lui dire? Je voudrais savoir s'il va bien. Elle est morte, Atreus. Je le sais bien. Je comprends rien. On peut pas parler plus tard? Déplace un peu lentement. Non? Conversation un peu plus tard, non? Ces trucs ils sont loin. Attention,
Ah ouais, merde. Oh la vache. Il est mort ou... Okay. Je voulais le finir en... en style. Résistance à l'empoisonnement. Voilà, sympa. Saphir. Quand il y a des endroits où on peut se protéger, c'est pas super dur. Hein. C'est pas très très dur. Que dirais-tu à mère ? Rien. Rien ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et tout ce qu'on a... Ça va où, là ? Fait ensemble. L'homme qui est venu à la maison. La rencontre avec le serpent monde. On a fait des choses incroyables. J'aimerais pouvoir lui raconter tout ça. Ah, gorge meurtre. Que lui dirais-tu d'autre? Je lui dirais que nous allons bien. Qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Atreus, elle me manque aussi, tu le sais. Je croyais que je savais rien du tout. On va d'abord faire les os. Et bah du coup on a trouvé Nortir. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait Nortir. Les eaux et Nortir, allez. On se perd dans le jeu. Enfin, on se perd pas exactement au sens propre, mais il y a beaucoup de choses. Alors, c'est où ? Là. On peut accoster ici. On est déjà venu ici, non? Boss, oh. Vous allez bien? Non, fiston. Mes marchandises ont sombré. Mes hommes se sont noyés. Et pourtant, leur corps continue d'arpenter les plages. Oh mon dieu. Des Éléens, ils infestent ces terres. J'étais leur capitaine. Ils sont morts par ma faute. Mais ces abominations souillent leur mémoire. Je trouverai un moyen de les libérer de cette malédiction. J'en fais le serment. Un orage a dispersé mes trois navires sur le lac. J'ignore ce que j'ai fait pour provoquer la colère de Thor. Mais son jugement a été prompt et sans appel. Ah le chien, il sent pas bloqué quand même. Atreus, par ici. Bien. Une autre carte. Je parie qu'on y trouvera quelque chose d'utile. Commission. Avec le camp divisé entre Vendrid et son père, personne ne remarque rien de subtil.
Une partie du gain, le perchoir secret et la cachette idéale. C'est la porte. On peut monter par là. On peut monter par là-bas. J'ai découvert que ces terres étaient propices à la chasse et au commerce. J'ai cessé de rechercher Yutunai. Ah non, ok. C'est pour partir. C'est très intéressant ton histoire. J'étais chanceux de mener un équipage aussi loyal. Au fil des ans, nous étions devenus une famille. Et ouais. Voilà. T'es triste. T'es triste. On a un os à trouver, on a la quête de l'esprit à faire. Et merde, on redescend, fais chier. Alors. Le dernier os. Oui. Nous devrions les rapporter à l'esprit. Peut-être qu'il tiendra parole. Je sais qu'elle reviendra pas, d'accord? Je le sais. Mais je... Laisse tomber. Allons rendre les os. Triste. Un peu triste. Maintenez R2 pour frapper avec le bouclier. C'est pas mal tous ces coups là, mais bon. Moi j'utilise pas vraiment le bouclier. Faire garder de l'expérience si jamais on trouve des runes et tout ça. On est déjà venu ici. Ça marche. C'est lui qui fait ce bruit là, je me demandais. Concentre-toi. Roller derrière toi, frère. J'aime pas les loups-garous. Yeah.
m'étonne. Un rude combat. C'est pas les mêmes ceux-là, c'est des féroces. Je me demande pourquoi les autres boulis ont été éparpillés. Une profanation, sans doute. En disséminant les membres, on empêche. Attends, qu'est-ce que j'ai de sélectionné, moi? Tuer l'équipage. Ah oui. Oh putain, fais chier. Oh, mais l'équipage... Ah d'accord, il est que là. Ah, j'avais peur. Par contre, il faut remettre les os. Peut-être les remettre les os, on le fait plus tard. Parce que de toute façon, on doit y aller. C'est sur la quête principale. Pourquoi ne pas c'est sur le chemin. Je suis sûr qu'il te répondra sans détour. On va faire ça. Tiens-toi prêt, mon garçon. Et il était responsable de chacun d'entre eux. Ça fait beaucoup de responsabilités. Ça te fait peur? Les responsabilités. Oh, non. Je crois pas. Enfin, avant, si. Mais plus maintenant. Pourquoi ça? Eh ben, à force de voyager. Avec toi. J'ai l'impression d'avoir grandi. Du mignon. C'est trop mignon. Il est cool ce gosse, j'aime bien. Oh la vache. Ils sont peut-être un peu trop nombreux, peut-être une erreur là ce qu'on va faire. Ouais, c'est une erreur je crois. Ah ouais. C'est dans l'animation, je voulais rien faire. Frère. C'est reparti, on va en chier. Laisse-moi le temps.
chier ce gel. J'arrive tout de suite. C'est le loup-garou avec la vie violette, il nous one-shot, ça c'est chiant ça. OS, OS, OS. Non, non, non. C'est ça que je vais faire. Derrière, putain, chier. Je te rejoins. Tu les vois tellement venir, les morts. Genre, tu vois que l'attaque va connecter et c'est mort, c'est fini quoi. Tu peux rien faire. Lui, il fait chier. Pas des hommes, j'ai des loups-garous maintenant. Ils sont tous morts. Ça devait pas être un bon capitaine. Pourquoi dis-tu ça? Ben, il a mené tous ces hommes à leur mort. C'est vrai. Mais ils ont choisi de le suivre. Les bons chefs prennent de mauvaises décisions. Mais les meilleurs les assument. Souviens-toi de ça. Pas encore. On va se débrouiller. Ok, par contre là on va en chier. Pas le toucher avec ma hache. On a fait cet endroit ou pas? Je crois. C'était un peu chiant. Tu as déjà commandé des hommes? Il y a de ça des années, oui. J'ai mené des hommes au combat. Et t'étais un bon commandant? C'est... compliqué. Est-ce assez que... de questions. Concentre-toi sur notre objectif. Oui, père. C'est pas quand il était encore humain?
Genre le tout premier God of War, je crois. C'était un général et il est mort. Enfin, il n'arrivait pas à tuer... à gagner la guerre contre quelqu'un. Et après, il a demandé à Odin d'être un dieu ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus trop, mais... Bon, il nous manque encore un combat. C'est... Qu'est-ce que t'es en train de me montrer? Ah, c'est là à gauche. Non, c'est à droite. Non, c'est à gauche. Qu'est-ce que tu... Compas! Tu veux que j'aille sur la tour, c'est ça? Les faire au coup de poing. Voilà, rage. Merde, je l'ai arrêté, je l'ai annulé la rage. Ça c'est fait. Bien joué. J'espère que le capitaine sera content. J'en doute. Il était déterminé à leur accorder le repos lui-même. Mais il n'aurait jamais pu le faire. Ça n'a pas d'importance. Notre victoire ne fera que lui rappeler son échec. Alors, pourquoi on a fait ça? Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. Tu l'enflammes, s'il te plaît, ou non? On a déjà vu ces runes. Mais je peux toujours pas les lire. Ah, tu peux pas les lire, celle-là, ok, ça marche. J'ai rien dit. Ma faute. Tu gères. Merci. Merci, merci. Faut que je m'entraîne au combat au corps à corps. Je crois que on pourrait... Ça pourrait rendre les choses plus faciles, mais pourquoi c'est plus dangereux. Vraiment aider cet esprit? Tu as besoin d'entraînement. Mais j'ai déjà combattu des tonnes de ces choses. Donne-moi la vraie raison. Cet homme inspirait la loyauté. Il a assumé les erreurs qu'il a faites, et il était déterminé à les réparer. Ce sont de bonnes leçons pour toi. Oh. Oui. Oh. Oui. Oh. C'est là? Ouais, c'est là. Et après, on va faire nordique, je crois. Mais... Non, c'est bon. On les a... On leur a accordé le repos. Je vois. Alors même dans la mort, j'ai échoué. Mais tu as mené une vie honorable. Tu étais déterminé et tu inspirais la loyauté. Ce sont des qualités remarquables, n'est-ce pas, mon garçon? Oui. J'en revenais pas du nombre d'hommes qui vous ont suivi ici. Je vous remercie pour ces paroles. Puisse votre voyage connaître une fin plus heureuse que la mienne. Ben... Offrande à Tyr. Il avait pas l'air très content. Je suppose qu'on se remet jamais vraiment d'avoir perdu ce qu'on aime. Non, jamais. Offrande à Tyr, c'est pour notre... On a un équipement de tir.
On a ça, mais c'est au maximum. Peut-être qu'on en trouvera d'autres. Ah oui, non, là, c'est bon, là. On gère un peu mieux, quand même. Hein, avec notre niveau. Ah, on a plus de... On a plus de façons de combattre. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Alors, j'avais dit qu'on allait à... La forteresse, et il faut aller... C'est ça? Forteresse Nortir? C'est ça. On y va. Cap sur Nortir. Il nous avait donné la pierre, non? Je me rappelle plus. Peut-être qu'on peut pas, en fait. Je sais pas. On va voir. Sinon, on se reconcentre sur l'histoire principale, mais normalement, on peut. Voilà. C'est joli. Ce jeu est extrêmement beau quand même, faut dire. Je pense que ça, c'est un jeu qui peut... qui peut pousser à prendre une PS4 Pro, par exemple. Attends, je vois que dalle. Merde, recule. Y a quoi en face? J'arrive pas à croire qu'un fils puisse tuer son propre père. Tu trouves pas ça fou? Non, je sais. On connaît pas toute l'histoire. Et quand même, son propre père. Je veux dire, je m'énerve contre toi des fois, mais... C'est vrai. Oui, un peu des fois. Mais je te poignarderai jamais dans le dos. Non. Ce clan voulait vraiment laisser entrer personne. Comment on va faire pour passer? Il doit y avoir un moyen de soulever la porte. Peut-être avec... Merde. Cette grosse roue à aube. C'est ce que je me disais. Je crois qu'il faut d'abord aller parler aux nains. Je pensais que c'était une autre, un autre endroit, mais en fait, je crois que c'est la route principale pour entrer dans la forteresse. Ok, on retourne au nain. Eh, le nabo! Salut Shadok! Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable, après tout. Cuirasse d'unité perdue de tir. Ah. Ah. Forgé à partir d'une offrande. Faible chance d'obtenir un vrai bonus de force, défense ou de rune si vous subissez des dégâts. Je crois qu'on est... Ouais non, ça sert pas à grand chose. Non, on a la vagabond à augmenter. Je pense qu'on va garder la vagabond. Je pense qu'on va passer à la vagabond plus tard. Quand on aura les... Quand on aura ce qu'il faut en fait. Mais bon, elle est bien. Je voudrais bien savoir en fait comment on l'augmente, mais bon, je suis sûr que pour l'augmenter de niveau, il faut faire des... il faut des offrandes. Donc ça, c'est chiant. Enfin, c'est rare.
Ah, les pierres de résurrection, non. Je ne veux forcer personne à acheter. Il a tué son père, Kratos. Saloperie. Oh, on va s'amuser ici, champ. Je sens que ça va être drôle. Oh merde. Ça va. Ouais, peut-être que je me referai là. Les anciens God of War. Je les ai jamais fait. Enfin, que je me ferai pas, je me referai. Je les ai jamais fait, donc. Ah non, on n'est pas perdu. Alors maintenant, il faut qu'on fasse marcher la roue. J'en sais rien, gamin. Ben voilà, de l'argent. Il y a des runes, là. Monte. Ah, le combat du dragon, c'était énorme. Le dragon de tonnerre, là, de foudre. Putain. C'était super épique. Et pendant une seconde... Ah bah tiens, on a trouvé un trésor. Pendant genre 2-3 minutes, je me suis dit, putain, mais je vais pas pouvoir le faire. Parce que je... Le truc, il y a de la foudre partout et tout. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, quoi. Pendant 2-3 minutes, je me suis dit, putain, mais c'est impossible d'attaquer, quoi. C'était vraiment cool. C'était juste pour le trésor. C'était juste pour le trésor. Oh, pardon. Non, 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 non. On redescend. Kratos, sois pas boulé. Sois pas boulé. On sait que t'es fort et un mastodon, mais... T'es aussi agile. Allez.
Alors, comment on se débrouille avec cette roue? Il y a un passage au fond. Je vois pas pourquoi elle bouge pas la roue en fait. Il n'y a pas de courant? Non, là il y a du, il y a de l'eau qui tombe. Il doit être bloqué quelque part. Ah, peut-être. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah! La chaîne. Ok, on est parti. Il y a une grotte avec un coffre, mais je pense qu'on va pouvoir y aller par là-bas, peut-être par la gauche. Quand est-ce que tu t'énerves? Quoi? Contre moi. Quand? Oh, eh ben, des fois, quand tu me crois pas capable de faire quelque chose, alors que je le suis. Ce n'est pas toujours évident de connaître ça. Ça va, j'ai compris, je suis un enfant. Je me demande où est cette pierre à aiguiser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un troll. Ah! Les autres.